Merci Colette pour l'invitation. J'ai la lourde tâche de clôturer donc cette première journée dédiée à la santé intégrative sur la thématique de l'activité physique qui m'est particulièrement chère. Donc, moi, je suis le docteur Noémie Ferré, je suis médecin de santé publique au département de santé publique du CHU et j'interviens également au sein du centre de ressources et d'expertise Azur Sport Santé. Alors, pour commencer, j'aimerais revenir avec vous sur certaines définitions, notamment la santé. Alors celle-là, je suis sûre que vous la connaissez toutes par cœur, mais c'est important de le rappeler, et d'autant plus que ça va structurer la suite de mon intervention, dont celle que je vous présente là, c'est celle de l'OMS, qui date de 1946, mais qui est toujours bien d'actualité, et qui définit donc la santé, non pas comme une absence de maladie ou d'infirmité, mais bien de façon plus positive, comme un état de complet, donc on peut discuter ce terme de complet ou pas, bien-être physique, mental et social. Pour ce qui est de l'activité physique, elle est, elle, définie comme tout mouvement corporel qui est produit par la contraction des muscles squelettiques et qui génère une dépense énergétique qui est supérieure à celle du repos, donc le fait d'être assis ou allongé. Et puis, en miroir, on a l'inactivité physique qui, elle, est la non-atteinte des recommandations en matière d'activité physique. Donc, vous le voyez ici, pour rappel, pour les enfants, les recommandations en matière d'activité physique, c'est de pratiquer une heure d'activité modérée par jour, donc plutôt à visée cardio-respiratoire, aérobie. Et pour les adultes, on est sur 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Là aussi, plutôt d'intensité modérée. Et c'est important de savoir aussi qu'il faut rajouter des activités de renforcement musculaire à tout ça pour avoir le plus de bénéfices sur la santé. Et la sédentarité, donc c'est une notion également importante à connaître puisqu'elle a des effets néfastes indépendants de ceux de l'inactivité physique. Elle est définie comme un comportement donc en période éveillée, hors sommeil, qui génère une dépense énergétique proche de la dépense énergétique de repos. En d'autres termes, c'est le temps passé assis ou allongé, que ce soit au travail, derrière l'ordinateur ou pendant les loisirs, devant les écrans. Alors, pourquoi on la distingue de l'inactivité physique? Puisque, comme je vous le disais, elle a des effets qui sont différents. En d'autres termes, vous pouvez être assis, courir, faire des footings quotidiens, mais être assis toute la journée de fait de votre travail, vous allez avoir là des effets négatifs sur la santé, malgré votre bonne dose d'activité physique. Donc, veillez à ne pas être trop sédentaire. Les sociétés savantes distinguent trois niveaux. Un niveau faible, moins de 3 heures assis par jour, modéré de 3 à 7 heures, et élevé, plus de 7 heures. Alors, quel lien entre activité physique et santé au sens large? On commence par la santé physique. Donc là, je me suis plutôt axée sur la prévention primaire. En termes de mortalité, hein, l'activité physique régulière permet de diminuer de 14% la mortalité toute cause. Pour les femmes, après la ménopause, donc, elle permet de retarder la survenue de l'ostéoporose de 13 ans. Pour le cancer du sein, j'ai pris cet exemple, mais il y a beaucoup d'autres bénéfices sur d'autres cancers. Elle permet de diminuer l'occurrence des cancers de 20 à 25%. En ce qui concerne les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, on est sur une diminution d'environ 45%. Pour les personnes prédiabétiques, donc qui ont un niveau de glycémie un peu plus élevé que la normale, la pratique d'une activité physique régulière permet de diminuer de moitié le risque de diabète de type 2. Et enfin, pour les maladies cardiovasculaires, en prenant l'exemple des coronaropathies, on est sur une diminution d'environ 20 à 50%. Parlons maintenant de santé mentale. Donc, je suis désolée, la diapo est en anglais, mais on a bien montré aujourd'hui que l'activité physique avait également un impact sur cette santé mentale. Notamment, elle permet de réduire le stress. On est sur environ moins 34% hein, pour des personnes qui pratiquent 1 à 3 séances par semaine. Elle a également un effet sur l'humeur. Ça, c'est une récente étude américaine qui nous montre que les gens qui pratiquent déclare moins un jour et demi par mois de jours de mauvaise humeur par rapport à ceux qui ne pratiquent pas. Donc ça vaut le coup. L'activité physique permet également d'augmenter l'estime de soi et puis diminuer le risque d'anxiété et de dépression. Donc, tout ça, bien sûr, va impacter sur la qualité de vie des patients. En image sur les bénéfices qu'on peut avoir en termes de santé mentale, si la vidéo fonctionne... Je vais retourner sur la clé, du coup, désolée. C'est une vidéo qui a été tournée sur des souris.
mais dont on peut tirer certains enseignements. Ainsi, les deux chercheurs peuvent comparer les effets sur les souris actives et inactives. Derrière son écran, Francis observe en direct l'activité des rongeurs. Il court en moyenne 5 heures par jour. Ensuite, c'est Muriel qui prend le relais. L'avantage de la souris, c'est l'accès rapide à son cerveau post-mortem. Dans son microscope, Muriel observe et analyse les cellules nerveuses de l'hippocampe qu'elle a prélevées sur les deux types de souris. Et la différence est flagrante. Sur cette image, une souris sédentaire, et sur celle-ci, une souris active. Ici, on voit bien que les neurones sont en nombre nettement plus important. Il semblerait qu'il y ait une augmentation de la vascularisation cérébrale au niveau du cerveau, ce qui permettrait d'apporter beaucoup plus de nutriments dans cette structure particulière, et ces nutriments, ces facteurs de croissance, aideraient donc à la création de nouveaux neurones. Mais cette expérience sur les rongeurs est-elle applicable à l'homme ? Muriel en est convaincu. Le phénomène que nous étudions plus particulièrement, qui est la création de neurones, c'est un phénomène qui existe donc chez l'homme. Donc on a vraiment de fortes raisons de penser que l'exercice physique pourrait agir sur la mémoire et les états anxieux, par exemple, en passant par ce phénomène qui est la neurogénèse, hippocampique adulte. L'exercice physique développerait donc de nouveaux neurones. J'espère que ça vous a convaincu. Si on s'intéresse maintenant de façon plus fine aux mécanismes justement qui expliquent ces bénéfices à la fois sur la santé physique et mentale, vous voyez à gauche là l'action, ce qui concerne plus les effets centraux, donc avec une augmentation de la sérotonine, un neurotransmetteur cérébral, et puis une augmentation de la neurogénèse, on l'a vu dans la vidéo, et puis d'un autre facteur qu'on appelle le BDNF. Donc, tout ça va contribuer à réduire le niveau de stress et d'anxiété, de dépression et de douleur. Voilà, sur la colonne centrale, vous avez les effets plus périphériques, donc, qui reposent sur un pilier de trois phénomènes, une diminution de l'inflammation systémique, une diminution également du stress oxydant, et puis une augmentation de la sensibilité à l'insuline. Ça, ça passe notamment via un petit récepteur cellulaire qu'on appelle le GLUT4. Donc ça, ça va agir plutôt sur la l'athérosclérose, donc ces fameuses plaques d'athérome qui peuvent être responsables des maladies cardiovasculaires. Ça agit aussi sur la pression artérielle, notamment via les résistances. Et puis, ça agit sur le syndrome métabolique. Ça diminue le risque de syndrome métabolique. Et puis, bien sûr, en termes plus physiques, ça va permettre d'augmenter l'endurance cardio-respiratoire, la masse et la force musculaire, et puis la capacité oxydative. Alors, pour ce qui est de la santé sociale, la littérature est beaucoup moins abondante. Ce que j'ai pu trouver, c'est d'abord, ce qui est clairement montré, c'est que plus vous êtes entouré socialement, plus vous allez pratiquer de l'activité physique. Il y a un lien entre ces deux éléments. Par contre, le fait de pratiquer l'activité physique, il y a peu d'éléments de littérature sur le fait que ça va développer votre réseau social ou votre soutien social. Mais c'est quelque chose qui reste à démontrer, surtout quand c'est pratiqué en groupe. Si on s'intéresse maintenant aux causes et aux conséquences de l'inactivité physique et de la sédentarité, un petit état des lieux d'abord sur ce qui se passe en France. Donc, je ne vous l'apprends pas, mais nous, les Français, ne sommes pas suffisamment actifs. Hein. Pour les adultes et les seniors, c'est une personne sur trois qui ne suit pas les recommandations. Et plus inquiétant, c'est deux adolescents sur trois et quatre enfants sur cinq hein, qui ne pratiquent pas leur heure quotidienne. Et on observe des inégalités, hein, notamment entre les sexes. Les hommes pratiquent plus que les femmes. Et un autre fait important, c'est que les personnes atteintes de maladies chroniques pratiquent beaucoup moins que les autres, alors qu'on sait qu'il y a de nombreux bénéfices. L'activité physique est aujourd'hui reconnue comme une véritable thérapeutique non médicamenteuse. Pour ce qui est de la sédentarité, vous le voyez là, les temps moyens, donc pour les adultes, on est autour de 5 heures, les seniors et les ados, plus 4 heures, et puis les enfants, un peu moins. Ce qui est inquiétant, c'est que surtout pour les enfants, les indicateurs ne sont pas vraiment au beau fixe, et notamment à cause des écrans, on a une augmentation du temps sédentaire des enfants.
Alors, tout ça s'explique par plusieurs déterminants. Je pense qu'on vous a déjà présenté ce schéma à de nombreuses reprises dans le cadre de cette journée dédiée à la santé intégrative. Mais là, je voudrais juste vous montrer que c'est vraiment une question qui n'est pas seulement individuelle. C'est-à-dire, faire de l'activité physique ou pas, ce n'est pas un choix uniquement individuel. Il est conditionné par d'autres facteurs et notamment l'environnement, donc l'environnement physique, le fait qu'il y ait des pistes cyclables dans votre commune ou des sentiers pédestres ou que voilà, au travail il y ait des escaliers agréables à prendre plutôt que l'ascenseur, et puis l'environnement social aussi. Et au-dessus, la strate supérieure, c'est bien sûr les politiques publiques qui peuvent être mises en œuvre, qui vont avoir un impact fort sur le fait qu'on pratique ou non de l'activité physique. Donc c'est vraiment une affaire collective. Alors, si on repart à une échelle plus individuelle, vous allez me dire oui, mais il y a pas mal de freins. D'abord, on peut ne pas aimer le sport, mais là, vous l'avez bien compris, hein, l'activité physique, c'est pas seulement le sport, c'est aussi tous les déplacements quotidiens, l'activité physique au travail, le fait de faire le ménage ou pas. Ça coûte trop cher, hein, parfois, c'est un des freins, notamment pour les personnes les plus vulnérables, ou encore, on n'a pas le temps de l'intégrer dans son emploi du temps. Donc je vous donne ici quelques pistes de solutions pour vos patients ou pour vous-même. La première, c'est d'abord d'être acteur du changement, c'est-à-dire de déterminer le niveau de motivation de vos patients, de savoir où ils en sont, est-ce qu'ils sont plutôt dans un stade d'ambivalence ou ils sont prêts vraiment à changer en matière d'activité physique. Et puis, sur la motivation, important aussi de la suivre, c'est-à-dire on peut utiliser des objets connectés, par exemple, c'est un des leviers, mais aussi des journaux, tout simplement, des journaux d'activité physique quotidien, comme on a vu tout à l'heure, les agendas du sommeil, pour voilà, entretenir la motivation et encourager les patients à être plus actifs au quotidien. Également important de saisir chaque opportunité, de se dire que voilà, l'activité physique, c'est pas seulement une activité qu'on rajoute une de plus à toutes celles qu'on a déjà, mais c'est quelque chose qu'on peut instiller de façon très subtile tout au long de la journée. Donc je vous disais tout à l'heure, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, se garer un peu plus loin et faire quelques pas. Voilà, essayer de mettre en place des petites choses comme ça, simples et rapides. S'entourer également, hein, je vous l'ai dit, plus vous allez trouver des personnes ressources qui pratiquent, ou dans l'entourage du patient qui pratique l'activité physique, plus ça va stimuler à pratiquer. Repérer aussi des lieux de pratique proches de chez soi, hein, ou du travail pour pouvoir, encore une fois, essayer de, au quotidien, être un peu plus actif chaque jour. Et puis sécuriser sa pratique, ça c'est un point important, donc, qui nous est résumé là par les cardiologues du sport. Alors je doute que tout le monde voit très bien, mais ils l'ont synthétisé sous forme de 10 réflexes en or. Les trois premiers, ils concernent les signes d'alerte, donc ne pas pratiquer si vous avez une douleur dans la poitrine, des palpitations, ou bien si un malaise survient. Toujours respecter quand vous prévoyez des temps longs d'activité physique et au-delà d'une intensité modérée, respecter un échauffement et une récupération de 10 minutes chacun. Boire également régulièrement, notamment dans notre région, et ne pas pratiquer quand les températures sont trop intenses, donc soit plus de 30 degrés, soit moins de 5 degrés. Et puis être vigilant aussi au niveau de pollution. Si vous êtes fumeur ou si les patients sont fumeurs, le premier conseil, bien sûr, encouragez-les à arrêter. Mais si ce n'est pas possible, ce qui est recommandé, c'est de ne pas fumer ni 2 heures avant et ni 2 heures après la pratique. Ensuite, au niveau des substances dopantes, ça concerne plutôt les sportifs, mais l'automédication, ça concerne la plupart des patients, hein, tout ce qui est médicaments en libre accès. Ça peut avoir un impact sur l'activité physique, notamment les AINS. Ne pas pratiquer s'il y a de la fièvre, parce qu'on a un risque de myocardite plus élevé. Et puis, pratiquer un bilan médical, bien sûr, avant de reprendre une activité physique, mais d'intensité modérée. Pour une intensité légère, la HAS vient de sortir des recommandations qui a priori, il n'y a pas besoin de bilan poussé au niveau cardiologique. Alors pour terminer et pour illustrer cette très belle phrase d'Einstein, je vous propose l'expérience suivante. Donc je vous invite à porter attention maintenant à votre respiration. Donc vous pouvez le faire soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés à votre contenance. Donc observez l'effet du souffle sur votre cage thoracique, sur également votre abdomen, à l'inspiration et à l'expiration.
Et portez maintenant votre attention sur les différentes parties du corps que je vais énumérer, donc vos pieds. Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Vos jambes. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau des cuisses? Peut-être qu'il y a peu ou beaucoup à ressentir, mais quoi que ce soit, observez là maintenant, pour ce qui est pour vous. Observez au niveau de l'abdomen. Vous pouvez à nouveau suivre les mouvements de votre respiration au niveau de l'abdomen. Au niveau de votre dos, le bas du dos, est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs, bon, rien de particulier. Vos épaules, vos bras, puis la nuque, et enfin le crâne. Et puis pour continuer, essayez juste d'observer ce qui est là maintenant pour vous au niveau des pensées. Quelle est votre météo interne de pensée? Pensez sur des choses à faire en sortant de cet amphithéâtre, des courses, retourner au travail, retrouver des amis. Observez là ce qui est pour vous au niveau des pensées. Pour les personnes qui avaient les yeux fermés, je vous invite à les rouvrir doucement à votre rythme. Et j'invite tout le monde à se mettre maintenant debout pour pratiquer une courte séance d'activité physique. On va continuer avec les bras. Vous allez envoyer un bras en haut et un bras en bas et alterner. C'est le relâchement là. On y va maintenant. Si c'est possible, on essaye d'accélérer un peu le rythme. On y va. On va mettre maintenant les bras à l'horizontale et faire des petits cercles. Et on relâche. À nouveau les jambes. Cette fois, on va descendre comme si on s'asseyait sur la chaise. Donc, vous dosez hein, le niveau de descente. Comme des petits squats. Mais on descend très, très vite. On envoie bien les fesses en arrière. Et on vérifie que... Que les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Parfait. Et on termine par un petit étirement encore le dos. Donc on va venir placer les mains hop, derrière les doigts croisés. Et tirer les mains vers le bas en veillant à garder menton poitrine le plus serré possible. On va étirer le haut du dos. Les épaules maintenant, donc on vient mettre un bras à l'horizontale. On va faire une petite entorse à la musique pour terminer l'autre bras. On reste là, 2-3 respirations. Parfait, bravo. Et avant de conclure, j'aimerais juste que vous portiez votre attention là sur maintenant vos pensées actuelles, plutôt enfin, l'humeur, tout ça. Et puis aussi savoir si vous avez échangé, alors ne serait-ce qu'un sourire hein, ou une parole avec un de vos voisins ou voisines pour illustrer le pouvoir de l'activité physique. Voilà, merci à tous.